Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle partie de Ragnarok Battle Offline. Et aujourd'hui on se retrouve pour un donjon dont j'ai oublié le nom. Bibilan, je crois. Bibilan, ouais, Bibilan Dungeon. Bibilan, Bibilan. C'est qui déjà le boss d'ici? Je crois que c'est un truc qui sert à rien. On verra, on verra. Enfin, c'est même pas un boss du coup ici. Parce qu'il n'y a pas de boss dans ce donjon. Je sais pas si ce donjon est populaire entre guillemets. Enfin, je sais qu'il est entre guillemets populaire pour récupérer la marque card. La fameuse marque card. Oui. Transforme ton. Non, tu transformes pas ton armure en eau, je crois pas. Enfin, je sais plus si elle transforme ton armure en eau, mais en tout cas, elle te permet de résister. Pardon. Elle te permet de résister au freeze. Des Hydra. Les Hydra, ça fait plaisir au Swordman. Ça fait plaisir à tout le monde. Oui, mais bon, je sais que. Tout le monde veut une Hydra card. Bah, tout le monde en veut pas qu'une d'ailleurs. Parce qu'en fait, dans Ragnarok Online, on peut améliorer nos armes en mettant des cartes dessus et chaque personnage, chaque monstre a une chance de donner des cartes en fait. Très et faible. Très faible chance d'obtenir ça. Du coup, bah, on voit souvent des gens passer une journée entière à juste tuer, bon, par exemple, des Hydra pour obtenir la Hydra 4 qui permet de faire du PVP justement. Enfin, tout simplement, pas justement. Parce que les Dracards augmente les dégâts sur les demi-humains, mais les personnages du jeu sont considérés comme demi-humains donc. Enfin, les autres joueurs plutôt, on dirait comme des demi-humains. Quoi, on n'est pas des humains tout court? Non, on est des demi. En même temps, résister à un coup d'éclair, je pense. Avoir que... une flèche dans le front et ne pas mourir. Je pense que oui, hein, tu peux être considéré comme demi-humain. On est des demi-dieux. L'autre moitié, c'est un Saiyan, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les machins, j'ai oublié leur nom. Les... Quoi, déjà? Sérieux? Vas-y, j'ai gâché mon skill sur ce truc. Bah, c'est pas grave. Tu vois à quel point j'aime beaucoup ce donjon, je m'en souviens complètement pas. Ah, mais moi non plus, hein. Je suis désolé. Mais toi, tu l'as jamais fait, c'est normal. Bah, je peux me balader dans un donjon par hasard. Non, mais je parle de Ragnarok Battle Offline, hein. Je me souvenais pas que... Oui. Bah, qu'il fallait pas tuer... Enfin, pas utile. Voilà que ce truc là mourrait en 2 coups et demi. Je parle du donjon dans le MMO. Ouais, bah le donjon dans le MMO en même temps. À l'époque où on a rejoint Ragnarok Online, c'était pas vraiment un donjon, c'était plus vraiment un donjon spécialement populaire du coup. On avait un peu rien à faire de ce donjon. À part pour la marque card à la limite. Parce que même pour les Hydra, c'est pas le meilleur endroit. Oui. Il me semblait que pour les Hydra fallait passer chez plus où. Fallait aller à ma. Enfin pas à Matsu Donjon, mais c'était Bah sur la Warpa qu'on avait, c'était ça disait d'aller à Matsu Donjon, même si c'était pas vraiment à Matsu Donjon. C'était Bah là où il fallait faire la quête pour Matsu Donjon justement. Et juste à l'extérieur il y avait un paquet d'Hydra et du coup ben. T'étais mage, tu faisais des Thunderstorms, donc c'était bon. Des monstres partout. Pas très fort, hein. En même temps, c'est que des vulgaires insectes, c'est des cafards de la mer. C'est pour ça qu'on les élimine d'ailleurs, parce qu'on les aime pas. On n'aime pas les cafards de la mer, on est des filles. Ah, des insectes. Oh, tu l'aimes bien lui? Oui, il est pas rouge, moi, celui que j'aime bien. Si, ah non, il est vert, ouais. Non, il est vert. Bah, lui, c'est un tarafrog, du coup. Oui. Mais pourquoi je le touche pas? Ah, parce que il faut d'abord tuer les petits. Okay. Et oui, moi j'aime bien. Bah, pareil, le Tarafrog, très monstre extrêmement populaire chez les gens. Pareil pour le PVP aussi. Parce que lui il donne une carte en. Ah, je suis morte! Ah ouais! J'ai pas fait attention à ma vie, excusez-moi. Sans qui pensait mourir face à des Rodafrog. Mince, je vais mourir aussi en fait! Donc voilà, la Tarafrog card, elle permet de résister justement aux dégâts des demi-humains. Purée, 400! Ils ont fait mal ce truc! C'est qui crache? Bah, c'est eux, c'est les petits vers! Enfin, les Rodafrog! Moi j'aime bien tuer des grenouilles parce que ça donne des rubans pour les cheveux. Ouais, c'est bon là? Oui, c'est les grenouilles qui donnent des rubans. Les chauves-souris elles donnent des rubans. Le magasin ils donnent des rubans! Et Et toi, tu vas faire combien de dégâts si les petits machins ils font 400? Tu vas nous one shot? Wow, j'ai même pas envie d'essayer de me prendre cette attaque.
Alors quel est ta pattern, petit boss? Là, il va faire le gros machin. Pas. Oh. Bon, non, ça va, il t'a pas tué. T'as fait mal, mais il t'a pas tué. Et là, tu sais pas dans quel sens il tourne. J'avoue que quand t'es deux, tu sais pas trop dans quel sens il va, se tourner. Et zut, Merde, ah bah tu vois, il saute et après il rechange d'idée. Alors du coup, il change d'avis même. Il change d'idée. J'ai une autre idée. Je vais attaquer la pri-pri, elle a moins de vie. Ah, elle faisait du saut cheaté, ça doit être une grenouille dans une vie antérieure. Je suis jalouse. Ouais, tu fais des gros dégâts, je saute haut. Pour mieux esquiver. Parce que j'ai moins de vie en dans l'idéal, ce serait mieux que je meure pas non plus. Bon, bon théoriquement, les swordman sont cheatés parce qu'ils se soignent tout seuls, entre guillemets. Enfin, tout le monde se soigne tout seul, mais les swordman ont une capacité en plus qui soigne. Puis de toute façon, ils ont la plus haute défense du jeu, donc... Et ils ont aussi plus... Non, pas peut-être pas le plus de vie. Si, si, ils ont plus de vie, ils ont plus de vie, ils ont plus d'attaque. Dans ce jeu, ils sont complètement cheatés. Ah! Ah ouais, 1299 quand même. Oh, 520 que tu fais maintenant. Bah ouais, j'ai heal niveau 5 maintenant. Mince, t'es morte! Ouais, bah là. 1700 de dégâts qu'il a fait en fait, le petit. Enfin, il a fait 1200 plus 500. Donc. Oh, le petit coup qu'il a tué. Mais la honte. Minutes quand même pour le tuer. Tu veux te prendre pour Orc Lady? Ouah, on va être noyé. D'ailleurs, oui, c'est aussi un autre truc. Les personnages dans Ragnarok Online marchent sous l'eau, y'a pas de souci. Encore marcher sous l'eau, je vais bien comprendre, mais ils ont pas besoin d'air. C'est pour ça que c'est des demi-humains, en fait. Ils sont à moitié poissons. On a vu, hein, le Knight, au début du... Dans le premier niveau, il avait des... Il a des branches. Je me souviens plus qu'il avait ça, mais... Moi, je te le dis. C'est parce qu'on dit que les knights, il leur fallait des branchies pour être... Bon, Marc, arrête de m'embêter. Enfin, c'est pas Marc qui m'embête, mais... C'est pas grave, Marc, il a fait des trucs quand même, je l'ai vu. Là. Il court sur toute la map, là, il est content. Allez, Marc, c'est bon? Ouais, c'est bon, Marc, il est mort. Je sais même plus comment il s'appelle, le plancton. Moi non plus. En même temps, on va jamais dans ce donjon, comment tu veux le savoir. Moi je retiens que les noms des monstres que j'affronte le plus. C'est normal. Ah, donc moi je connais que le géographeur, les banshees et c'est tout. Aïe 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 aïe. Non, ça fait pas mal, je sais pas pourquoi je dis aïe 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 aïe. Bon Marc, ça va là? Tranquille. Ah, il est là, Marc, là. Et regardez-le, là. Moi, le Marc. Mon petit drap. Non, mais Marc, il m'a encore eu. Ah, moi, j'aime pas Marc. Il est pas gentil. Qu'est-ce que t'as contre les gens qui s'appellent? Ils sont pas sympas. Ils me foncent dedans. Eh bien, là, Marc. Il y en a un deuxième, là. Il est chiant qu'il va nous faire une feinte, là. Nous attaquer en même temps. Voilà là, regardez-le là. Regardez-le lui, c'est feinte là. Ça y est, un marque de moins. C'est bon, il est mort. On peut continuer. Eh bah non, il y a le plancton. Non, on n'est pas des baleines, on mange pas ça nous. Mais on les mange pas, on les frappe là justement. Comme ça les baleines ne peuvent pas les manger. Il y en a encore un en bout. Voilà, il y en a plus. Oh, une dans une livre. Berry même. J'ai récupéré de la magie. Moi j'aurais bien voulu que ce soit une livre. On a plus de vie. Ça m'aurait pas dérangé. Encore. Ah bah il est de retour. Regardez-le comme elle est pas contente là. On l'a frappé tout à l'heure là. Elle va faire regarder. Moi je suis trop puissante maintenant. Parce que maintenant je suis dans l'eau. Alors non, on s'en fiche que tu sois dans l'eau. On s'en fiche pas tant que ça. Oh purée, ça va exploser. Ah. Moi je me jette dedans naturellement. Ça va, il fait pas aussi mal que le Rodafrog. Enfin, elle, pardon. Mais peut-être qu'elle a une attaque en réserve, comme
pas dire. Je pense que les explosions, ça devrait nous faire pas mal mal. Pas mal mal. Quoi, ça fait pas mal mal, ça va. Un siphon. Eh, hey, pourquoi tu m'enchaînes? Et aussi si je faisais ma garde. Je crois que la garde marche pas sur les siphons. Du coup j'en ai fait une mais ça m'a touché pas mal. Oulala là là. Mais si on les expose de nous. Même. Ouf. Moi j'ose pas trop faire quoi que ce soit là. Oh bah non, ouais, ça fait pas tant de mal que ça, ok. Tu es définitivement pas spécialement puissant. Regarde là, le monstre du début, il faisait plus mal que toi là. Même les petits machins, ils faisaient plus mal que toi. La honte. Oulala, là là, on va se faire attaquer par un. Faut fuir, je suppose. Bah ils nous font rien. Ah si. Mais forcément, c'est Marc. Hein. Marc, sale traître. Par contre, je vois sur la carte que. Loin, il y a un espèce de siphon de mob. Bah c'est lui là qui chaîne des mobs et après il arrive pas à les battre. Hein. Oh là là. Oh les gens, si vous êtes pas doués. Hein. Ah nous on doit les récupérer pour l'aider. Est-ce qu'il va se plaindre après qu'on lui AKS? Mais non, il doit nous remercier. Oh bah tu sais hein, les gens parfois ça leur arrive, ils te demandent de l'aide et après ils te disent que tu l'as AKS, c'est trop bon. S'il vous plaît aidez-moi, j'arrive pas à battre des monstres. Ah mais vous m'avez KS monsieur, vous êtes pas gentil hein. Fire c'est un O mage, en plus. Bah ouais c'est un mage. Il fait fire O, il est mort. En même temps, un mage. Qu'est-ce qu'il espérait en faisant une chaîne Batman, de Batman, Risa, je sais pas trop ce qu'il a dit en vrai. Vu que. Je peux pas trop lire ces dialogues. Mais bon, c'est pas comme s'il y avait vraiment une histoire dans un beat'em'all. Mais si, un beat'em'all avec une histoire, c'est possible. Je sais pas s'il a dit qu'il était nul ou s'il a dit qu'on était nul, je sais pas. Il a dit vous m'avez calme. Ah, il a disparu. Il a... Ah. Oh. Je suppose qu'il va falloir passer... Ouais. Hop. Mais t'es cheaté, toi. Regarde comment je me fais chaîne. Ouais. T'inquiète pas avec Nijem comme ça! J'aime comment t'es censé te dépêcher. Hein. Ah, ok, d'accord, j'allais dire, je sais pas pourquoi, mais. Ok. Ah, j'ai fini! Moi, je suis bloqué! Mais non, c'est bon! Ah, bah, j'aurais su, j'y serais allé directement! Mais moi, je peux passer par-dessus. C'est le boss là? Bah, la musique. Ah, non, c'est pas le boss, c'est. Une anémone, je crois, un truc comme ça. Une anémone! Shoot the Shining Feeler! Attention, parce qu'il. Bon, ça va, il fait pas si mal que ça. Je sais pas, moi j'ai peur quand même. Ouais, enfin, s'il chaîne, c'est vrai que il peut faire mal. Attends, le petit. Ça veut dire danger. J'attaque un peu n'importe comment, mais. Donc, tu tapes le Shining Feeler, c'est bon. Aïe. Non mais c'est, je comprends pas ce qu'ils ont fait dans ce jeu parce que un coup t'as un monstre qui est trop fort et ensuite bah t'as des mini-boss qui font rien comme des gars. Ça y est, on a pris un niveau, on est trop fort. On a même pas pris de niveau puisqu'on peut pas les gagner en combat. Non mais je veux dire entre deux niveaux. Mais non mais c'est pas ce que je veux dire là, regarde les Rodafrog et le Tarafrog, ils étaient surpuissants et puis là l'Obéon. Ah et voilà c'est des Obéon, les espèces d'Ariel la petite sirène là. Et puis bah lui là il est nul aussi. Alors que théoriquement bah ils sont beaucoup plus forts que les. Ils bougent. Ils sont beaucoup plus forts que les frogs. Mais c'est où le shiny? Ah purée ça bouge et moi je voudrais bien me healer mais. Ah c'est bon il s'est arrêté. Il en a eu marre. Ah bah ça y est il a recontinué. Il m'a laissé un petit temps de répit. Tu vois il t'a écouté, il t'a entendu, il a dit bon ok d'accord. Vu que je suis un boss sympa, voilà. Ça n'empêche pas de me jeter. Allez! Mais ça sert à rien de nous attaquer. Ok, non, j'ai rien dit. Ouf. Bah maintenant, c'est dans l'autre sens. Et tu meurs quand? Syndrome Orc Lady là!
construit un boss avec énormément de points de vie. Ah, allez. Théoriquement, je crois qu'on est censé farmer beaucoup plus, hein. Farmer? Ouais. Pour avoir plus de level. Mais j'arrive plus à... Eh, hey, on est dans Rain Rock Online, hein. Le maître mot, c'est le farm dans ce jeu. Oh, oh. Qu'est-ce que... Ah, c'est des bottes. Oh, des bottes. Je suis pas supposé... Ok, j'ai pas eu le temps de lire, ça va trop vite. Allez, Swordfish. Je sais messages. En plus que tu vois dans Ragnarok Online là, ils ont sorti un serveur FR il y a un moment et je crois qu'ils se sont mis à traduire le nom des trucs et du coup bah, je pense que je me demande si du coup le Orc Hero par exemple il s'appelle Héros Orc, enfin Héros des Orcs. Bah peut-être hein. Ah allez. Parce que du coup même les noms des objets ils ont été traduits donc, Ah oui, et puis du coup après t'es perdu parce que comme t'as l'habitude des noms en anglais et qu'on te dit le... Bon bah aller chercher aller chercher du vomi puant. Quoi? Quoi du vomi puant? Bah c'est du sticky mucus voyons. Ah. Du coup est-ce que c'est bien de jouer en français au jeu? Quand tu as l'habitude de jouer en anglais, à moitié en anglais. Bon après t'as les serveurs où les dialogues sont en français mais les noms des objets ils sont quand même en anglais parce que... Bah ça c'est pas trop grave. Après c'est normal. Après je trouve un peu bizarre quand même que les NPC soient en français. Enfin, mais bon, non, c'est mais moi hein. Je pense par exemple au... Et le voilà au boss. Et bien. Je me souviens absolument pas que... Mais c'est pas un boss. C'est pas un boss. Justement, non mais pas du boss mais de ce monstre tout court. Ouais mais c'est normal. C'est un boss qui est pop en dead branch tu vois. Donc, voilà. Même en faisant des débuts parties, on en... Il reste 2 secondes parce que voilà, il se fait massacrer. Voilà, tu vas voir, il va nous massacrer. On a 0 vie. Merci les frogs. Je me soigne comme... Pour l'instant, je sais pas ce qu'il fait, il fait rien. Il se promène. Là, il va invoquer un pied, je crois, avec sa bouche. Ah, ça veut même pas mal. Non, mais c'est pour ça que je te dis, là, je comprends pas trop ce niveau, hein, qu'est-ce qu'ils ont fait. Massacre. Aïe aïe aïe, des piques, pas des piquants, des cailloux. Ah mince, il m'a touché par derrière. Enfin, deux derrière, donc voilà, je sais pas trop comment. Il m'a touché alors qu'il ne me faisait pas front. Ce monstre, il a beau être ridicule. Sa musique, elle est sympa. Oh, je ne trouve pas ça spécial. Non, c'est pas la meilleure. Je veux dire, bah, mais je c'est veux dire... épique comme musique pour un petit monstre comme ça, je veux dire. C'est sûr qu'il a pas trop la dégaine d'un boss, ce machin. Oh, mais pourquoi j'oublie de faire une garde à chaque fois? Mais bon, franchement, ce niveau-là fait partie de ceux que j'aime le moins. Hein. Oh, bah c'est un niveau dans l'eau, c'est étonnant. Pas de ce jeu. Ah, ah. Ah, ça y est, tu vas avoir besoin de soins. Oh là, j'ai dit, mais bien j'ai perdu ton... Non, j'allais dire, je croyais qu'il était mort, mais non, il peut pas être mort. S'il était mort, il aurait eu. Il aurait eu un. Oula, t'as. Ouh, attends. Ouh, il m'a. Ouh, il m'a. T'as pétrifié? Oui. Il meurt pas, hein. Non, ce serait bête de tout refaire. Comment ça? Ah, voilà, il invoque le pilier. Je savais qu'il a aucun pilier. Je sais pas comment il a fait pour contenir tout ça dans son ventre, mais. C'est Kirby en fait, c'est un cousin de Kirby. Par contre, il a plein de mine de rien quand même, hein. Il a beau être nul. Aïe, le pilier, il m'a quand même fait mal. Ok, je te protège. Merci. Ça n'a pas très bien marché, mais pas grave. Tiens, Holy Light. Je pense que j'ai plus vite fait de donner des coups que de faire des Holy Light. Attends, t'as pas non plus monté ton intelligence plus particulièrement. Non, j'essaye d'équilibrer mes statistiques. Dans les battle triply. Je pense que là j'ai de raison d'être battle triply que les prix normal. Oh là 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 là, je suis mal, je suis mal, je suis mal. Aussi. Voilà. Ouch. Ouh,
Tout ça, bah, on a quand même réussi à tenir. On a eu de la chance. On a encore eu de la chance. Bon, maintenant c'est fini. Oh, le pilier, vas-y, je vais aller là-bas. Est-ce que ça va tomber sur moi? Non, c'est moi. Non, je voulais. Regardez-moi cette aiguille. J'arrive pas à faire gaffe. Non, mais rate pas ton heal, s'il te plaît. Mais c'est quoi ce monstre là? Ah bah voilà, quand même. Je l'ai même pas touché, alors il est mort quand même, mais c'est pas grave. Regardez-moi ce feinteur, ça doit être un italien. Bravo. Purée, on a gagné plein d'expérience. Bah voilà. Bah non, pas spécialement, bon, c'est pas grave. C'était un bon replay. Bah oui, ce combat il était cool. Donc voilà, voilà, bon, bah, ouais. Cette partie a été... n'a pas été trop longue à tourner pour une fois. Je suis content. Quoi, t'aimes pas tourner des parties de 1 heure à chaque partie? Non, ça ira, merci. Donc bah on va pouvoir se laisser là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine partie de Ragnarok Battle Offline. Au revoir tout le monde.